السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي في درس آخر من دروس اللغة الفرنسية، درس جديد في الإملاء حول الكلمات التي لها نفس النطق وتختلف في الكتابة والمعنى، أو بدون أكسون أو avec أكسون، لا بدون أكسون، لا بأكسون، إل أمبوستروف أ. Alors bienvenue mes chers amis dans une nouvelle leçon d'orthographe sur les homonymes ou, la, la avec accent et puis et l'apostrophe a. في البداية سنتعرف على الفرق بين ou التي تكتب بدون accent و ou التي تكتب بأكسون grave. Je découvre. Veux-tu aller à la piscine ou au cinéma? Où se trouve la bibliothèque? Le restaurant où j'ai dîné est luxueux. نعود إلى الجملة الأولى. Veux-tu aller à la piscine ou au cinéma? هل تريد الذهاب إلى المسبح أو إلى السينما؟ Où se trouve la bibliothèque? Aïna toujadou al maktaba. Le restaurant où j'ai dîné est luxueux. Al mat'am alladhi ta'ashaytu fihi fakhir. Revenons à la première phrase. Veux-tu aller à la piscine ou au cinéma? Dans cette phrase ou, c'est une conjonction de coordination. إذن هنا où نسميها une conjonction de coordination. O c'est pour indiquer un choix. إذن هنا où دورها هو تحديد أو الإشارة إلى الخيار. الخيار بين شيئين. Dans cette phrase, on a fait un choix entre aller à la piscine ou aller au cinéma. إذن هنا قمنا بتحديد الخيار بين الذهاب إلى المسبح أو الذهاب إلى السينما. نمر إلى الجملة الثانية. Où se trouve la bibliothèque? Dans cette phrase où, c'est un adverbe interrogatif. إذن هنا où فهي أداة استفهام بمعنى أين. Ou c'est pour indiquer un lieu. Ou نستعملها للإشارة إلى المكان. Le restaurant où j'ai dîné est luxueux. Dans cette phrase où c'est un pronom relatif. فهي اسم موصول. Ou dans cette phrase aussi c'est pour indiquer un lieu. إذن هنا كذلك لتحديد المكان. نعود إلى الجملة الأولى. Veux-tu aller à la piscine ou au cinéma? On peut dire aussi Veux-tu aller à la piscine ou bien au cinéma? Alors les deux phrases ont le même sens. Soit j'écris ou bien au bien. نمر الآن إلى تحديد الفرق بين لا بدون أكسون، لا avec أكسون، et puis لا qui s'écrit L apostrophe A. Je découvre. Aller rendre la voiture dans le garage. Elle la nettoie chaque jour. Nadia l'a vue dans la rue. Nous sommes là, près du garage. نعود إلى الجملة الأولى. Aller rendre la voiture dans le garage. علي يدخل السيارة إلى المرآب. Il la nettoie chaque jour. ينظفها كل يوم. Nadia l'a vue dans la rue. Nadia رأتها في الشارع. Nous sommes là près du garage.
نحن هنا قرب المرآب. Dans la première phrase, aller rendre la voiture dans le garage. Dans cette phrase-là, c'est un article défini. Et dans cette phrase-là, là, tu sais un article défini. أي أداة التعريف. إذن كما نلاحظ بالنسبة للغة العربية هناك اسم معرفة واسم نكرة. مثلا السيارة اسم معرفة وأداة التعريف هنا هي ال. بالفرنسية نقول la voiture. alors là يلعب دور ال بالنسبة للعربية. لا c'est un article défini فهو أداة للتعريف. بالنسبة للنكرة في العربية نكتفي بإزالة ال لنقول سيارة. أما بالنسبة للفرنسية لابد من أداة التنكير. النكرة هنا هي une voiture. إذن une c'est un article indéfini أي أداة للتنكير. إذن بالنسبة للفرنسية la voiture اسم معرفة une voiture اسم نكرة la article défini une article indéfini. نعود إلى الجملة الثانية il en nettoie chaque jour. ينظفها كل يوم. Dans cette phrase-là, c'est un pronom. إذن هنا là, فهو ضمير. لنلاحظ الأصل في هذه الجملة. Il nettoie la voiture chaque jour. ينظف السيارة كل يوم. إذن في هذه الجملة قمنا بتعويض la voiture بالضمير là. Alors, on a remplacé la voiture par le pronom la. On a placé le pronom la entre le sujet il et le verbe nettoie. إذن هنا وضعنا الضمير la بين الفعل والفاعل كي تصبح الجملة كما نراها في الجملة الثانية. Il la nettoie chaque jour. نمر إلى الجملة الثالثة. Nadia l'a vue dans la rue. Nadia ra'atha fi al-shari'. La qui s'écrit il apostrophe a se compose de deux parties. La première partie il apostrophe c'est un pronom et la deuxième partie a si le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir au présent. Idan huna la tatakawan min juz'ain. الجزء الأول إلا أمبوستروف برونون ضمير والجزء الثاني أ سي لو فيرب أفوار أو الفعل أفوار. إذن هنا الأصل في الجملة هو ناديا أ في لا فواتور دون لا رو. ناديا رأت السيارة في الشارع. هنا قمنا بتعويض لا فواتور بالضمير لا لتصبح الجملة ناديا لا a vu dans la rue. alors comme vous voyez nous avons ici deux voyelles. la première voyelle c'est a du pronom et la deuxième voyelle c'est a du verbe avoir. إذن هنا لا يمكننا أن نكتب deux voyelles متتابعة. لذلك قمنا بإزالة الأولى وتعويضها بتلك الشرطة يعني أمبوستروف كي تصبح الجملة كما نراها هنا في الجملة الثالثة ناديا لا في دون لا روي. نمر الآن إلى الجملة الأخيرة نو سوم لا بغي دو غاراج. نحن هنا قرب المرآب. اون بو دير اوسي Là, c'est un adverbe de lieu. Et dans là, il faut dire. Darfou Mekan. Nous avons dit que nous avons dit.
Nous sommes ici près du garage. إذن هنا ici يلعب دور là. إذن هنا نفس المعنى سواء قلت Nous sommes ici près du garage أو Nous sommes là près du garage. Je retiens. Ce que je dois retenir, c'est que où indique un choix. إذن هنا où تشير إلى الخيار. تلعب دور أو. إذن هنا où لها نفس معنى أو. Où c'est une conjonction de coordination. Exemple. Veux-tu du café ou du thé? هل تريد القهوة أو الشاي? Dans cette phrase, on a fait un choix entre du café ou bien du thé. إذن هنا قلنا ب الخيار أو الاختيار بين القهوة أو الشاي. On peut dire aussi veux-tu du café ou bien du thé? Alors c'est la même chose ou bien le même sens. Ou avec accent. Indique un lieu, un endroit. إذن هنا où تشير إلى المكان. Ou avec accent petite un adverbe interrogatif. إذن هنا ou بأكسون يمكن أن تكون أداة استفهام بمعنى أين. Exemple. Où habites-tu? أين تسكن? إذن هنا أحدد أو أشير إلى المكان الذي تسكن فيه. Où habites-tu? Ou avec accent peut-être un pronom relatif. إذن هنا و يمكن أن تلعب دور الاسم الموصول الذي أو التي. Exemple. La région où j'ai grandi est loin. البلدة التي كبرت فيها بعيدة. La région où j'ai grandi est loin. Là sans accent. Là, c'est un article défini. Il peut être un article défini lorsqu'il est suivi d'un nom qui est féminin singulier. Et donc, on a là. يمكن أن يكون أداة التعريف إذا كان متبوعا باسم مؤنث مفرد. Ou bien un adjectif féminin singulier. أو نعت مؤنث مفرد. Exemple. La poupée de Sarah est jolie. Dumiatu Sarah Jamila. Dans cette phrase, poupée, c'est un nom qui est féminin singulier. Il est placé après l'article défini là. إذن هنا poupée فهو اسم مؤنث مفرد يوجد مباشرة بعد أداة التعريف là. On peut dire aussi La jolie poupée de Sarah. Dumiatu Sarah al-Jamila. Dans cette phrase, jolie, c'est un adjectif féminin singulier. On a jolie. Fawa. Na'tun mu'annath mufrad. Wudi'a mubasharatan ba'da la. Qui est un article défini. La peut être un pronom. Yumkin kadalik an yakun dhamir. يكون ضميرا إذا كان متبوعا بفعل. Alors là est un pronom lorsqu'il est suivi d'un verbe. Exemple. Il la range dans le placard. وضعتها في الخزانة. Dans cette phrase range, c'est un verbe. Ce verbe est placé après le pronom la. إذن هنا le pronom la se place entre le sujet et le verbe. Et donc là, يتموقع بين الفعل والفاعل. Là avec accent, c'est un adverbe de lieu. Et donc هنا, là accent, فهو ظرف مكان. Exemple.
Je suis là près de la pharmacie. Ana huna qurba as-saydaliya. Là qui s'écrit et l'apostrophe 1 se compose de deux parties. Et l'apostrophe qui est un pronom. Et puis a qui est le verbe avoir ou bien l'auxiliaire avoir au présent. Exemple. Le chien l'a mordu à la jambe. Al-kalbu addaha fi as-saq. Dans cette phrase, nous avons et l'apostrophe qui est pronom. Et puis a qui est l'auxiliaire avoir au présent. Mordu, c'est son participe passé. Je m'y value. Complète ces phrases avec « ou » sans accent ou bien « ou » avec accent. Où prends-tu ton autobus le matin? Tu écris avec une plume ou un stylo? Pars-tu de suite ou tu vas être en retard? Je ne sais pas où j'ai rangé mes papiers. نعود إلى الجملة الأولى. Où prends-tu ton autobus le matin? أين تستقل حافلتك في الصباح؟ هنا سألت أين؟ يعني أتساءل عن المكان. Le lieu. Alors je vais utiliser où avec accent. Où prends-tu ton autobus le matin? Tu écris avec une plume ou un stylo? تكتب بالريشة أو القلم هنا الخيار بين الكتابة بالريشة أو القلم. Je fais un choix entre écrire avec une plume ou bien un stylo. Alors je vais mettre ou sans accent. Tu écris avec une plume ou un stylo. Pars-tu de suite ou tu vas être en retard. اذهب حالا أو ستكون متأخرا. إذن هنا لدينا الخيار بين الذهاب حالا أو أن تكون متأخرا. C'est un choix entre deux choses. Alors je vais mettre ou sans accent. Pars tout de suite ou tu vas être en retard. La dernière phrase. Je ne sais pas où j'ai rangé mes papiers. لا أعرف أين وضعت أوراقي. إذن هنا أتساءل عن المكان الذي وضعت فيه أوراقي. C'est-à-dire, je cherche le lieu où j'ai rangé mes papiers. Alors, puisqu'il s'agit d'un lieu, je vais mettre ou avec accent. Je ne sais pas où j'ai rangé mes papiers. Un deuxième exercice. Complète ces phrases avec là sans accent, là avec accent. Ou bien la qui s'écrit et l'apostrophe A. Je pense qu'elle l'a perdu en chemin. Tu restes là jusqu'à ce que je revienne. Oui, la nouvelle brosse. Marwa l'a mise là près de la baignoire. N'aoud il al-jumla al-oula. Je pense qu'il l'a perdu en chemin. أظن أنه فقدها في الطريق. Elle a perdu. Dans cette phrase, perdu. C'est le participe passé. Il, c'est le sujet. Alors je vais mettre et l'apostrophe A. Dans cette phrase, nous avons l'auxiliaire avoir A et le participe passé perdu. Elle a perdu. Passons à la deuxième phrase. Tu restes là jusqu'à ce que je revienne. ستبقى هنا حتى أعود. Tu restes là, هنا. Alors ici, on va utiliser là qui s'écrit L-A avec accent. Parce que je te demande de rester là, c'est-à-dire reste ici. Tu restes, je peux dire aussi, tu restes ici jusqu'à ce que je revienne. C'est le même sens de la phrase précédente. Oui, la nouvelle brosse. Aïna hiya ashita al-jadida.
Oui, la nouvelle brosse. Nouvelle, c'est un adjectif qui est féminin singulier. Alors, il manque un article défini. Oui, la nouvelle brosse. Dans cette phrase-là, c'est un article défini. Marwa l'a mise près de la baignoire. Marwa wada'atha huna qurba haudi al-hammam ou haud al-istihmam. Marwa l'a mise. Mise, c'est le participe passé du verbe mettre. Alors il manque un auxiliaire avoir. Marwa l'a mise. Et l'apostrophe a. La près de la baignoire. Là, yani huna, ici. Alors, je vais écrire là avec accent. Près de la baignoire. Baignoire, c'est un nom qui est féminin singulier. Il manque un article défini. Près de la baignoire. Là, sans accent. إذن أتمنى أن تكونوا قد استفدتم كذلك من هذا الدرس كما في الدروس السابقة. إذن لا تترددوا في دعمنا بالاشتراك في القناة وتقاسم هذا الفيديو مع أصدقائكم والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد وكذلك الضغط على لايك ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.